Eh bien, bonjour les amis, c'est Lance77, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la partie 2 sur Heyday. Donc, on va finir ce qu'on avait fait pendant la partie 1. Donc, on va lui vendre les pancakes. Ensuite, on va faire notre petite mission. Alors, qu'est-ce que Greg veut? Des œufs, oui, bien sûr. On a eu un petit succès. Donc, le petit succès, c'est tête de l'art. Voilà. Ensuite, on récupère le petit cookie, le petit pain. Voilà. On a bientôt passé de niveau. On récupère tout ça. On a eu un petit bonus. Alors, on va planter du soja, du blé, du maïs et de la canne à sucre. Voilà. On récupère tout ça. On va remettre de la nourriture à poulet et à cochon. On récupère le petit lait et on est passé de niveau. Donc on est au niveau 13. Donc voilà, on a débloqué une nouvelle culture. Alors, on va d'abord récolter tout ça. Voilà. Ah, il y a encore une petite poule. Voilà. Donc tout ça, c'est bon. Ok. Ensuite, alors on va récupérer des parcelles de terrain. Voilà. Alors, on va couper ça pour faire de la place. Comme ça, ça, on peut un peu le reculer. Voilà. Ensuite, on va planter la lavande. Moi, j'appelle ça la lavande hein, parce que c'est exactement de la lavande, sauf il l'appelle autrement dans le jeu. Et après, niveau 15, on débloquera la citrouille. Et au prochain niveau, on débloque la tarte à la carotte, un diamant, une rigole et deux scies. Ok, donc le niveau 13, enfin le niveau 14, il sera pas ouf, mais bon. Ensuite, alors on va expédier ça. Parfait, maintenant on peut améliorer notre grange normalement, notre silo, je sais plus. Bah voilà, notre grange. Donc on l'améliore. Et le silo, on peut pas encore. Voilà, donc je fais un peu de la place. Ok, donc on récupère ça. Ensuite, on va expédier ça. Ensuite, on va aller chez Greg pour voir ce qu'il vend. Alors, il vend un pétard et de la nourriture à cochon. Donc ça, on prend et c'est tout l'intéressant. Oui, c'est tout. Ensuite, on va aller... Non. On va aller chez Kylian. Non. Le maïs, on a déjà. Ensuite, non, là faut de la TNT. Alors, on va exploser lui.
Voilà, ensuite 12, oui bien sûr. Ça nous fait de l'argent. Voilà. Ensuite, on va mettre du pain en production. Ensuite, il nous faut quoi? Alors, ok, du fromage. On va en mettre. Ensuite. Là, il nous faut du sucre. Et du pain au maïs. Mais j'ai plus de maïs, il est en train de se cultiver. Ensuite, on récupère le popcorn. On va voir si quelqu'un vend quelque chose d'intéressant. Alors. On va prendre ça, même si ça coûte cher. Voilà. Parce qu'on en a besoin. Voilà, on peut expédier. Voilà le maïs. Parfait. On va en replanter tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi? Un nichoir. Ok, non, ce n'est pas trop intéressant les décorations. Ah oui, donc la lavande, elle prend pratiquement 2 heures. C'est quand même assez long. Ensuite, réparer la maison des voisinages. Alors, rejoignez, vous créez 200. Bon, on va commencer les réparations. Et on va jouer à la petite roue. Espérant gagner le jackpot. Et non, ça sera du maïs. Mais pas grave, c'est quand même bien du maïs. Ensuite, voyons voir dans le pass. Alors, donc, faut proposer 10 produits. Donc, on va en vendre. Donc, on va vendre. Alors, bon, on peut vendre des œufs. Voilà. Et on peut vendre du lait. Alors, j'essaie de voir ce qui se vend le plus cher. Alors, on peut vendre 2 soja. Voilà. Et en même temps, on a réussi notre objectif. Ok. On a encore réussi un autre objectif. Voilà, donc on avance petit par petit. Ensuite, faut quoi? Récolter du blé, ouvrir une caisse. Donc, faut encore ouvrir une caisse. Et je récolte du blé. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une caisse cachée? Non. Donc, en attendant, on va voir le prochain. Ah, voilà. Donc, les prochains trucs qu'on débloquera intéressants, ça sera les moutons au niveau 16. Et après, ça sera pas avant le niveau 32, ça sera les chèvres. Et après, il y a quoi d'intéressant? Oh, on débloque même des pans au niveau 20. Des chevaux, des lapins et des ânes. Ok. Ensuite, donc ça sera le prochain enclos. Donc les moutons. Ok. Donc je pourrais déjà mettre un deuxième truc pour fabriquer la nourriture, mais j'ai pas assez d'argent dans le jeu. Parce que ça coûte quand même cher.
Donc là, il nous faut de nouveau du popcorn. Et il nous faut un cookie. Donc on va fabriquer un cookie. Hop, hop, hop. Alors. Et au niveau 15, on débloquera les pommiers. Après niveau 22, cerisier. Ah, ça a l'air intéressant, les cerisiers. Bon, je pense qu'avec les cerisiers, on débloquera la tarte aux cerises. Avec les pommiers, la tarte aux pommes. Ou de la confiture. Voilà, le maïs, il est bientôt prêt. On récupère ça. Ensuite, on va faire un pancake. Voilà. Donc on a eu un bonus, une hache. Donc ça c'est bien. Donc on va l'utiliser sur cette arme. Voilà. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Voilà. Donc là, on a 8 nourritures à cochons. 8 à poulet. Donc les poulets, il nous en faudra encore. Et 11 à vaches. Ok. Donc les vaches, c'est là où on en a le plus. Après, ce qui est bien aussi, attendez, je vais vous montrer dans ma ferme de Greg. Mais je me demande comment on débloque ça ou comment ça se passe. On débloque des animaux de la savane, vous avez vu, donc il a des éléphants, des zèbres, des hippopotames, des gorilles, des girafes, c'est trop bien. Et après, il a des rennes, des renards blancs. Mais je me demande vraiment comment on obtient ces animaux, si c'est comme avec quand on passe de niveau, niveau 22, on obtient l'éléphant par exemple, niveau 23, le renne, des choses comme ça. Bah, ça a l'air bien. Mais il me semble qu'on me débloque niveau 32, ça. Ah, niveau 34. Donc on a encore de la route à faire avant le niveau 34. Hein. Ah, là, il y a une personne qui arrive. On va l'attendre. Et on va produire un pain en maïs. Donc oui, bien sûr. Ensuite, dans les défis, qu'est-ce qu'on a? Enfin, dans les succès, plutôt. Alors. Donc le blé, il est bientôt prêt, le maïs aussi. Ensuite, on a passé deux. Là, c'est maximum. Là, ok, ça on a. Là, on va produire un popcorn. Ensuite, on va produire un beurre. Et là, on a plus assez de lait. Donc là, on a atteint un objectif, on va voir ce que c'était. Ok. Donc, on avance très doucement parce qu'on fait les plus petits défis. Donc là, il nous reste encore un peu de blé à récolter. Après, ouvrir une caisse. Ensuite, à récupérer 15 produits, donc des popcorns. Mais récupérer 15 produits depuis votre boulangerie. Et ensuite, aider d'autres joueurs. Là, le monsieur, il va en pancake, on va lui acheter.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ça serait bien de trouver du pain au maïs. Ah bah voilà. J'avais qu'à demander. Voilà, ensuite on va faire la petite mission. Voilà. Ensuite, il faut 6 pains. Oui, quand même. Ok. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, les amis, ça fait toujours plaisir. Voilà, on vend des carottes. Ah voilà, donc ok, donc je pensais qu'on pouvait, enfin j'avais vu qu'il y avait l'événement là avec justement les éléphants, je me demandais ce que c'était, mais il faut atteindre le niveau 17, donc on n'est pas encore du tout au niveau 17. Ah oui, au niveau 17, au 17 on débloquera aussi ça, donc je pense que ça sera bien aussi, niveau 16, 17... Voilà. Ensuite. Ah oui, effectuer 500 livraisons. On n'en est pas encore là, hein. On en est que à 49 pour l'instant. C'est déjà pas mal. Alors. Voilà. Donc il n'y a rien d'intéressant pour l'instant. Voilà, on a fini notre objectif. Donc cette fois-ci c'est un grand objectif, récolter du blé. Donc là on avance de pas mal. Voilà, on obtient les clous. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Non, pas pour l'instant. Voilà, on produit un popcorn. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu les amis, ça sera tout pour la deuxième partie, je vais pas faire une vidéo trop longue, déjà que la première partie était assez longue, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter. On se retrouve dans une prochaine aventure dans la partie 3, salut tout le monde !